D'attention de la part l'internaute qui a posté cette histoire. Je vous mettrai en lien le site où vous pourrez retrouver cette histoire. Mais attention, il y a une image de Cannibal Corpse qui montre du coup sur ce site. Donc, n'allez pas voir si vous n'êtes pas trop voir le sang. Stress et accumule des troubles obsessionnels compulsifs qui ne l'avantagent pas plus que son apparence. Le plus étrange dans son comportement est qu'il se parle lorsqu'il est dans un coin, puis roule de l'œil pour être attaqué par une crise d'épilepsie. Perte de connaissance avec contraction. Si on était possédé, en fait, par un être inhumain, peut-être un démon, ce qui n'est pas possible, cette histoire réelle, je vous le rappelle. Après la crise passée, il partait se coucher et on l'entendait hurler à la mort dans son sommeil, comme si on l'égorgeait vif dans son sommeil. Imaginez-vous dans votre sommeil et qu'une main vienne vous prendre une épaule et une lame froide, glaçante qui se glisse dans votre gorge lentement pour vous faire voir la mort arriver pas à pas et vous envelopper de son voile blanc. C'est enfin cet adolescent. Vivait ça dans son sommeil sans pouvoir se réveiller en vivant cette horreur
Et le garçon ne se montrait plus beaucoup. Il restait enfermé dans sa chambre, qui, même si c'était un petit dortoir, restait souvent vide et sans activité. Le soir, il sortait du dortoir et allait aux cuisines, puis revenait. Ses camarades de chambre, eux, qui encore plus de garçons, les remarquaient de plus en plus. Garçon, lui, devenait un classique. Plus rien ne pourrait réchauffer son cœur. Enfin, arriva le 24 décembre. Tout le monde était à la fête, aux préparatifs, sauf le garçon. Mais contrairement à d'habitude, il se promena dans les cuisines, fasciné par les ustensiles argentés, les lames aiguisées, comme des rasoirs. Au-dessus du plan de travail, il se balançait doucement avec les petits courants d'air qui venaient par-ci, par-là, et les faisait entrechoquer. Les lames qui émettaient de petits titillements. Puis, tout d'un coup, le plus long couteau sortit de son crochet et fendit pour se planter dans le plan avec un bruit net, sec et précis. Le garçon resta les yeux fixés sur la lame. Puis une voix se fit entendre de l'autre côté de la cuisine. C'était le cuisinier. Mais le garçon s'enfuit. Le cuisinier était arrivé de bonne heure pour préparer le repas de Noël. Les dindes étaient arrivées. Il fallait les farcir et les faire cuire. Ce qui beaucoup de temps. On ne revit plus le garçon de l'après-midi. Le repas arriva et les enfants se réunirent à table. L'enfant se retrouva au bout de la table, comme d'habitude, mais les autres autour de lui ne s'arrêtaient pas de se moquer de lui, de le charrier. Ils étaient vraiment cruels avec lui. Ne lui laissaient jamais profiter. Le garçon ne prit même pas de la bûche de Noël. Il était parti en courant dans le dortoir tout en hurlant et pleurant. Tout le monde rit, même les professeurs et les surveillants. Il se réfugia dans son lit, mais son cœur se refroidit. Pour de bon, il se rétracta, s'assécha. Il ne ressentait plus que de la haine envers tout le monde. Il se haïssait lui-même. Ses parents, le monde entier. Les enfants, après la veillée, irent vite au lit pour s'endormir avant les 12 coups de minuit. Tout le monde s'endormit. Tous. Non, le garçon, lui, était toujours réveillé avec cette haine qui lui terrassait le ventre. Une haine qu'il fallait assouvir au plus vite. Il fallait également savourer. Minuit commença à sonner au clocher de l'internat, puis un deuxième coup. Une lame argentée s'abattit sur la gorge d'un enfant de la chambre, puis un autre au cœur. Une autre enfant se fit éventrer et égorger pour éviter les cris. Un troisième se fit enfoncer la lame dans la bouche, lui cassant une dent, lui coupant la langue et sang, et s'abattit au fond de sa gorge. Un petit cri se fit entendre, et deux coups lui transpercèrent les peaux. Le dernier de la chambre fut égorgé et eut les yeux crevés, puis arraché avec le bout de la lame. Une lame qu'il avait nourrie durant son internat.
la lame du cuisinier, un coulon léger que le garçon maltraitait, s'embarra. L'après-midi, avant que le cuisinier le remarque, la seule personne était encore vivante, était ce dernier. Il était couvert de sang et tenait toujours l'arme du crime dans la main. Mais il ne décida pas de s'arrêter là. Il était décidé d'aller plus loin, comme si tout le mal de la terre était venu en lui. Il prit les corps, les traîna au milieu de la chambre, puis commença à les découper, membre par membre. Il mit les bras droits d'un côté, les gauches de l'autre, puis les jambes, où il suivit le même procédé. Il prit les têtes, les faisant rouler sur le sol, comme des ballons. Puis, il commença une partie de l'ego humain. Il assembla une tête sur un corps, avec un bras d'une autre personne. Il échangea les jambes et les bras, s'amusant à leur donner des noms différents, à chaque fois plutôt des surnoms, dont il s'amusait de lui donner des noms humiliants. L'horreur ne s'arrêta pas là. Il voulait que tous les élèves voisins. Il alla dans chaque chambre et déposa un membre ou une tête au milieu de chaque pièce pour qu'elle leur réveille. Il les voit, leurs camarades en charpie. Il mit une tête dans la chambre des surveillants et un corps sans membre ni tête dans celle des professeurs. Imagine-toi te réveillant le matin de Noël avec un morceau de corps ensanglé dans ta chambre ou sur ton lit, à peine réveillé. Imagine-toi l'effroi que tu aurais. L'enfant sortit et alla dans les bois, sous la pluie, le couteau sanglant, toujours dans la main. Il trouva un arbre pour s'abriter et entendit. Il voulait entendre les hurlements des enfants se réveiller avec leurs morceaux de corps devant leur le nez. 6 heures, un cri retentit, puis l'internat entier hurla, un cri effroyable, montant des murs, sortant des cheminées. Le garçon sourit, puis partit en s'enfonçant dans la forêt. Plus personne ne le revit et certains croient encore qu'il pourrait rôder aux alentours de l'internat. Mais attendez, écoutez, regarde.